Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just let it slip? Now is the time to be bold, to explore, to evolve. This is who you are. Unconventional, exceptional. Own it. Be proud of it. Be open to adventure. So go ahead. Create, contribute, learn, and grow. This is real. This is now. This is how you change everything. This is Plastic Chemistry. Professeur Hatim Ben Youssef, donc professeur de management et de marketing à l'ENCG de Kenitra. Donc, je suis heureux de vous présenter notre école, donc, parmi donc, le réseau des ENCG du Maroc, donc, école prestigieuse qui, au fur et à mesure des années, donc, ont permis donc, de sortir des lauréats qui sont maintenant insérés dans le monde professionnel et qui sont une fierté. Alors, tout spécialement, l'ENCG de Kenitra donc, a su gagner. Donc, l'estime de beaucoup de chefs d'entreprise, d'administration, de par la qualité des lauréats, de par aussi la qualité non seulement des lauréats dans leur cadre scolaire, mais aussi parascolaire. L'ENCG de Kenitra a eu beaucoup de succès en dehors de l'ENCG, que ce soit dans des compétitions nationales ou internationales, telles que SAIF ou en lien avec la bourse de Casablanca ou avec l'ordre des experts comptables, etc. Et on ne peut être que fier de nos étudiants et de la qualité de l'enseignement qui leur est indiqué au sein de notre école. Alors, si on peut parler spécialement des matières enseignées, du cursus, donc, comme vous savez, l'ENCG est un établissement à accès régulé, donc n'y accèdent que les étudiants qui ont passé un certain nombre d'étapes de sélection. Juste pour donner un ordre de grandeur, sur quasiment 15 000 étudiants, donc on en recrute à peu près 200, ce qui fait un ratio quand même de sélection qui est assez important. Donc on a la chance d'avoir des étudiants à l'entrée qui sont assez... C'est de façon sélectionnée de façon rigoureuse, donc avec une bonne formation, donc ils sortent à la fin avec une plus-value intéressante pour le marché du travail. Le cursus à l'ENCG Kenitra s'étale sur 5 années de formation après le baccalauréat en gestion ou en commerce. La première, la deuxième et la troisième année constituent le tronc commun destiné à l'acquisition d'une formation fondamentale dans les différentes disciplines requises pour le commerce ou la gestion. En quatrième année, le
le choix se fait entre les deux filières commerce ou gestion. Les options en filière de commerce sont le marketing et action commerciale, le commerce international et la publicité. Les options en filière de gestion sont l'audit et contrôle de gestion, la gestion financière et comptable et la gestion des ressources. Ainsi, et tout au long de leur cursus de formation, les étudiants peuvent s'engager dans de nombreux projets, initiés par leurs associations et clubs, et qui sont autant d'opportunités de mise en situation, d'application des apports des différents enseignements, et de développement de leur personnalité et de leurs compétences pratiques. Salut tout le monde, c'est Ibn Chat, je suis en deuxième année à l'Université Kenitra, et je suis le président du club musique. Je suis Ibn Hayoun Aissam, président du club jeune leader marocain de l'École nationale de commerce et de gestion. Yahya Bassou, président du club Aïnia. Hachman Doukhiat, président du bureau des sports. Hachim Ejdaoui, troisième année, président du club Voiska. Hachman Solahi, président fondateur de Sinec. Alors Musica, c'est bien sûr le club musical de l'INCG. Il a vu le jour il y a 3 ans, c'est l'initiative de 2 étudiants en 5e année, c'était Badr Delgherbe et James Der. Et donc aujourd'hui, c'est en stage fin d'études. Et donc le club, au début, c'était un petit atelier de partage, pour passer des bons moments ensemble, pour jouer de la musique. Mais petit à petit, grâce au travail de groupe, et donc le club est devenu un vrai groupe professionnel. Et donc là, on est sollicité par différents instituts et organisations culturelles. Donc on a récemment participé au Forum Maghrébin des Arts. On a eu notre première tournée nationale à Casa, Bouznera et Jdida. Qu'est-ce que JLM brièvement? C'est un club qui fait partie d'un réseau national qui s'appelle les Jeunes Leaders Marocains, bien entendu. Notre objectif, c'est de créer des projets socio-économiques, notamment qui répondent à 4 critères. Critère environnemental, social et économique, mais bien entendu le critère pérennité qui touche les projets, mais aussi l'équipe JLM. Aïnial, le club social de l'Ensejé-Kenitra, qui a été créé en 2009, et donc c'est le club qui est à but social. On aide les gens, les orphelins, les personnes âgées, et puis on fait des voyages humanitaires et des campagnes médicales dans tout le Maroc. Et donc ça, ce sont les membres qui m'aident pour accomplir ma mission. Et donc je suis fier de ce club qui fait partie des clubs piliers de l'ENCG-Kenitra. Et donc j'espère que ce club ne va jamais mourir, qu'il restera, que peut-être que dans 20 ou 25 ans, je viendrai à l'ENCG-Kenitra et je trouverai le club Aïnia. Merci. Le Bureau des Sports est un club sportif fondé en 2011 par un groupe d'étudiants, alors là en deuxième année, motivé à l'idée d'assurer la pratique du sport à l'école. Donc notre objectif est de développer le sport universitaire marocain tout en essayant de constituer des équipes collectives performantes afin de participer aux événements sportifs organisés par les autres écoles. Pour ce qui est des événements que nous organisons chaque année, nous organisons les Olympiades inter-écoles en collaboration avec le BDE où nous invitons une dizaine de grandes écoles ingénieurs et de commerce. Wesca, c'est le club de médiatisation et de journalistes de l'école. Donc notre mission, c'est d'immortaliser les événements au sein de notre école, et c'est par le biais de rédaction d'articles, par les photos, les vidéos. En fait, on a une page Facebook qui compte maintenant 5000 fans. On compte aussi s'investir un peu dans l'associatif. Donc en termes d'événements, on a essayé d'organiser des débats et des conférences et de bien sûr médiatiser tout ce qui se passe à l'école. Donc Sinec est un club jeune qui a été créé en 2011 et qui compte aujourd'hui plusieurs projets, donc 5 produits, à savoir la Sinec TV qui est désormais la première TV universitaire marocaine, qui diffuse bien sûr plusieurs programmes tels que le Flash News, le Sinec Café très prochainement. Ensuite nous avons Sinec Events qui sont spécialisés dans l'événementiel, Sinec Media qui médiatise tous les événements qui se passent au sein de l'école ou bien à l'extérieur de l'école, Artinec qui est la cellule d'art de Sinec, et finalement le Ciné Club qui dans la mission est la projection de films hebdomadaires au sein ou aux locaux de l'école. Donc la nouveauté chez Sinec, c'est qu'aujourd'hui il est considéré comme le premier club qui a pu se transformer d'un simple club au sein de l'école à une entreprise qui a pu mettre un pas dans le monde professionnel. Et c'est un atout, c'est un plus pour nos étudiants, pour qu'ils sachent un peu ce qui se passe dans le monde professionnel. Le parascolaire de l'ENCG Kenitra est l'un des meilleurs du réseau ENCG, puisqu'il représente un de ses atouts. Il constitue un élément important dans le parcours d'un ENCG caïste. Et cela est notamment dû à la qualité des clubs qui le composent et qui couvrent plusieurs domaines, à savoir l'art, la culture, le sport ou l'entrepreneuriat entre autres.
L'ENCG de Kénitra a vécu un moment historique qui consistait en la pose de la première pierre pour la construction de l'ENCG par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. L'école place l'innovation pédagogique au cœur de son dispositif de formation, avec donc la mise en œuvre de démarches pédagogiques actives, motivantes, tels que les apprentissages par projet, la réalisation personnelle, le travail en équipe et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Donc la mission principale donc, de l'ENCG est la formation de cadres de haut niveau dans le domaine des techniques commerciales et des sciences de gestion des entreprises. Donc, depuis la création de l'École nationale de commerce et de gestion, l'école a toujours encouragé donc, les activités parascolaires. Nos étudiants se sont distingués à plusieurs reprises dans pas mal d'activités, dans les domaines artistiques, le domaine social, le domaine des médias, le domaine de l'entrepreneuriat. Bien entendu, le développement donc, de ces activités aide incontestablement nos étudiants à s'insérer plus facilement dans la vie professionnelle. Donc, c'est incontestable. Bonjour, je suis Hakim Fidei Baba, étudiant en deuxième année à l'École nationale de commerce et de gestion de Kénitra et également présentateur du Flash News. Le parascolaire est quelque chose de complémentaire et surtout de fondamental car, oui, vous direz peut-être que ça ne sert pas à grand-chose, mais croyez-moi, si, ça sert à énormément de choses. Développer éventuellement nos qualités artistiques, le sens, le contact avec les autres, comment se comporter dans une équipe où l'on connaît presque personne. Comment se développer avec cette équipe et donc réaliser de superbes travaux, réaliser des événements réussis. Hafed Hassan, je suis bachelier au lycée pédagogique Alpha en branche économie. Alors, l'ENCG est l'une des écoles les plus prestigieuses au Maroc. Elle offre une formation en commerce qui est consistante et on entend parler des clubs tels que CINEC et ENIR. Il faut savoir que chaque élève en économie espère intégrer l'ENCG. Donc, bonjour, Maha Ibriz, étudiante au groupe scolaire Alpha. Je suis orientée vers la branche sciences maths qui est différente peut-être de la branche de l'orientation de l'ENCG. Mais comme j'entends beaucoup parler de cette école, je commence peu à peu m'intéresser. J'ai personnellement assisté à plusieurs événements, dont les Olympiades et les journées portes ouvertes. Et j'ai pu avoir une idée sur les différents locaux, les professeurs, les étudiants. Et je trouve que c'est très intéressant. L'ENCG, c'est une formation solide. Le domaine tout ce qui est économie, management, finance. En plus, les langues. C'est un point positif où j'aimerais en comprendre de langue. Zet atal l'aura miyakta. Après l'expérience d'hier, les élèves qui sont venus au l'ENCG, le feedback d'hier est positif. Je vais regretter de faire l'ENCG, surtout l'ENCG de Kénitra. Madame Ilham Bouriki, professeure de langue et communication à l'ENCG Kénitra. L'objectif de l'ENCG, c'est de produire des cadres insérables dans le marché du travail, des cadres qui soient compétents, qui sont performants, qui sont leaders dans leur domaine de spécialité. Et en l'occurrence, ici, on est en train de parler de futurs managers et de futurs lauréats de l'ENCG, qui soient performants, efficaces, et qui soient percutants, j'allais dire, dans leur spécialité. Il faut qu'ils sachent parler d'eux-mêmes, communiquer autour de ce qu'ils font et de leur personnalité. Voilà. Persévérance, motivation et rigueur sont les mots d'ordre de l'ENCG Kénitra. À travers les années, elle a su s'imposer parmi les écoles du Maroc pour être considérée aujourd'hui comme
meilleur, et ce, grâce à la qualité de sa formation et au haut niveau de son parascolaire. Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture or just let it slip?